It's a wonderful world, and everybody now is living on. Look, it's a beautiful place, but everybody keep on doing their mess. Yeah, it's a wonderful. Mais c'est vrai que depuis le début, France Bleu Maine tient à soutenir, à mettre en valeur les groupes locaux par les émissions que vous avez animées, par des chroniques, par des lives, par exemple la fête de la musique et par ce tremplin qui fête ses 5 ans, 5e finale à la découverte des talents du Maine avec le Crédit Mutuel et France Bleu Maine. Mais avant d'annoncer qui sont les finalistes de cette soirée, on va quand même rappeler le nom des lauréats précédents. Oui, évidemment, parce qu'on continue de les suivre et puis... Au cours de ces différentes années et des différents tremplins qu'on a pu organiser, France Bleu Maine, c'est évidemment un studio au Mans, mais on se délocalise très régulièrement partout en Sarthe pour faire vivre le département. Et c'est ce qu'on a fait aussi dans le cadre des Talents du Maine et de ce tremplin, en allant dans plusieurs salles en Sarthe. En 2011, pour le premier tremplin des Talents du Maine, on était à Èves, la salle de l'Université du Maine. Les lauréats, c'était le groupe Naked Inosphere, qu'on continue d'ailleurs de suivre sur France Bleu Maine. En 2012, nous étions au Saulnières, au Mans, et c'est l'IA qui avait remporté ce tremplin. En 2013, nous étions partis dans un lieu également magnifique dans le sud de Sarthe. C'était le théâtre de la Halle au Blé à la Flèche, très beau théâtre à l'italienne. Et c'est Jus qui avait remporté ce tremplin. Jus qui prépare d'ailleurs un album, on l'attend avec impatience pour 2016. Et puis l'année dernière, nous étions dans un autre cinéma, comme quoi on va aussi dans des lieux qui sont pas forcément habituels pour accueillir de la musique. C'était Omega CGR de Saint-Saturnin et c'était le groupe As You Want qui avait gagné. Et donc aujourd'hui, on est dans un autre cinéma, Le Pâté au Mans, pour cette 5e édition. Cette soirée va démarrer ensuite avec Lola Dumège. On va découvrir tous les finalistes. Il y aura donc Lola Dumège, très très jeune candidate. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est d'ailleurs la plus jeune des talents du Maine qu'on ait rencontré jusqu'à présent. Oui, je crois. On vérifiera ça auprès de Thierry Stenner, directeur de France Bleu Maine, mais je pense que ça pourrait être le cas. Lola Dumège, avec Charlie El Trio également, Téviré ou encore Iborka. Iborka, un groupe qui fête ses 10 ans cette année. Ils sont encore plus vieux que France Bleu Maine. Et pourtant, ils sont très jeunes. Effectivement. Alors, vous pouvez voter, bien sûr, c'est le principe d'un tremplin, pour élire le finaliste et le gagnant, surtout qui est... Une scène à l'Oasis, excusez du peu, quand même, une belle scène à l'Oasis. Je me rappelle notamment de Jus, qui avait fait la première partie de Yodelis à l'Oasis, grâce à France Bleu Maine. C'était plein, il y avait 1200 personnes, comme quoi, vraiment, des tremplins comme celui-ci peuvent aussi permettre de réaliser, je vais pas dire des rêves, mais en tout cas de jouer devant beaucoup de public et sur des belles scènes. Il y a également, et je souris d'avance, un enregistrement au studio La Rivière avec Philippe qui est ici parce que c'est un lieu vraiment magnifique, entouré de professionnels et surtout entouré de verdure. On n'en dit pas plus parce qu'à chaque fois je parle de ses poules, mais j'aime bien en parler quand même. C'est le moment rural de la soirée. C'est un lieu vraiment chouette pour créer. Et puis il y a 400 euros de bons d'achat chez notre partenaire qui est Music Center Légende. C'est une très belle récompense. C'est vous qui choisissez donc le lauréat de cette 5e édition. Il y a aussi un parrain qui dit tremplin, dit parrain. Le parrain en question, c'est un artiste que France Bleu Maine suit depuis les débuts de France Bleu Maine et pas forcément les débuts de Belmondo, mais Belmondo est parrain de cette 5e édition, on peut l'applaudir. Il est où le Belmondo? Il est là tout devant. Belmondo, c'est très un artiste, chic. C'est un musicien très chic, mais surtout c'est un showman, c'est un véritable spectacle. Belmondo qui nous offrira un live en fin de soirée. Avec une petite surprise en plus. Ah oui. Ah, je le sais. Ah, oui. Je le sais, il me l'a dit. Vous êtes un peu VIP. C'est ça, je suis un peu VIP, effectivement. Une soirée qui va s'ouvrir avec la plus jeune des talents humaines. On a commencé, honneur aux femmes et honneur aux plus jeunes. Avec, quelle galanterie. Avec Lola Dumège, donc effectivement la plus jeune, elle a à peine 16 ans. C'est sa maman qui l'a inscrite à ce tremplin des talents du Maine. Elle est où, Séverine? Ah,
Félicitations Séverine et bravo à vous d'avoir invité et votre fille à participer à ce tremplin parce que c'est pas forcément évident, elle a participé, elle arrive directement en finale. Je vais vous demander évidemment de l'applaudir très fort parce que c'est pas forcément évident déjà de se produire sur scène, ensuite d'être la première. Mais elle fait de la musique depuis quand même déjà quelques années Lola, elle fait du piano, elle est au conservatoire en chant. Et on accueille donc Lola Dumej, première candidate de ce cinquième tremplin des talents du Maine. À toi Lola. Du tremplin à la découverte des talents du Maine 2015. Une chanson de Mika. Elle s'appelle Happy Ending.
try. If it need to happen, I guess I wish you je
pleure encore et encore. Mon cœur change de décor, tandis que le tien. Plus jamais la même. Je t'aime un peu plus.
Lola Dumège, la première finaliste ce soir de cette cinquième édition du tremplin des talents du Maine organisé par France Bleu Maine et le Crédit Mutuel. Lola, tu peux souffler. Ça y est, c'est fini. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Elle vient d'ouvrir le cinquième tremplin. Ça va, Lola? Oui. Un premier sentiment sur le fait d'ouvrir une soirée pareille quand on a 15 ans, 16 ans? Bon. Ça va, elle est blasée déjà. Ça fait un peu stressé, mais ça va. Facile, quoi. Non, mais je l'ai croisée dans le couloir tout à l'heure, elle n'avait pas du tout l'air stressée. Elle était là, oui, je veux bien répondre à vos questions. Alors, Julien et moi, en vrai, on est très stressés. Oui, c'est ça. Moi, je vais aller voir Séverine, la maman, parce que je l'ai vue rentrer. Oui, c'est ta maman qui t'a quand même inscrit donc, pour le tremplin à la finale, à la découverte des talents du Maine, organisée par le Crédit Mutuel et France Bleu Maine. Tu connaissais déjà ce tremplin? Non, pas du tout. Donc c'était vraiment une vraie surprise. Oui. Julien, forcément, il fallait trouver la maman de Lola. C'est ça. Je l'ai trouvée. Je suis assis d'ailleurs, c'est bien. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez inscrit Lola? Oui, c'est moi qui lui en ai parlé, mais c'est elle qui s'est inscrite. Pourquoi vous lui en avez parlé? J'imagine que vous êtes assez fière. Hein, là. Bah oui, plus que fière, oui. Depuis combien de temps elle fait de la musique, Lola? Lola, elle a commencé par du synthétiseur. Puis après, elle a arrêté et elle aimait trop la musique et elle a continué par le piano. On va dire, elle a commencé à l'âge de 8 ans. Et c'est le rôle des parents, justement, de suivre et de pousser un petit peu ses enfants dans leur passion? Ah oui, tout à fait, oui. Vous avez été fière de sa prestation, là? Ah oui. Oui, plus que fière. Et puis ravie qu'elle m'ait fait une super chanson. Il y a eu une dédicace ce soir. Il y a eu une dédicace, oui. Alors, quelle était cette chanson pour ta maman? Merci, Séverine. Bah, c'était une chanson que j'ai écrite un soir, en fait. Parce que, il y a 2 ans, on a appris qu'elle était malade, et donc, du coup, c'est la première chose que j'ai faite. Et tu t'es mise à écrire comme ça, toute seule, dans ta chambre, les idées sont venues? Oui. T'as combien de compositions aujourd'hui, Lola? Vraiment fini, je dois en avoir 5-6. C'est bien, c'est le nombre qu'il faut pour un EP. Et ensuite, on passera à l'album. Hein, on suivra évidemment. Julien Sénéchal est aussi manager à 6h. C'est ça. Moi, je prends. Hein, toutes les opportunités sont bonnes à prendre, Lola. D'autres, là, des reprises que t'as fait, Mika, Cœur de Pirate. Et Birdie, on est dans un univers assez pop avec toi. Hein. Oui. Très bien, merci. C'est-à-dire la reprise de Mika qui avait été envoyée pour le tremplin, hein, la découverte des talents du Maine. Et oui. Merci Lola pour cette prestation. On attend avec impatience le résultat tout à l'heure. Tu es moins stressée que nous, c'est énervant. Applaudissez-la. Lola Dumège, première finaliste de cette soirée, cinquième tremplin à la découverte des talents du Maine. Nous avons eu Lola Dumège, ça va se poursuivre avec Iborka, avec Charlie El Trio et avec Téviré. Alors l'histoire de Téviré est assez marrante. Il y a Dali, il y a Tom, Pitou et Tristan. Ils se sont formés il y a un an à peine au Mans. Et à la base, c'est Dali, la chanteuse du groupe, qui voulait absolument s'inscrire et inscrire le groupe pour le tremplin. Sauf que dans le groupe, tout le monde lui disait « Non mais ça va jamais marcher, laisse tomber, arrête, c'est pas pour nous. » Sauf que Dali avait entendu parler de la victoire de Jules, la victoire de Naked in a Sphere, les lauréats précédents. Lia. Également. Et puis As You Want. Mais si je cite Ju et Naked in a Sphere, c'est parce que ce sont les références de Téviré. Donc là, Julien, c'est... Très bien. Téviré qui, du coup, s'est retrouvé inscrit pour le tremplin. Et Dali a dit, j'en suis sûr, on sera en finale. Ils se sont retrouvés d'abord dans les premiers sélectionnés. Et les voilà maintenant en finale. Dali a eu bien raison d'inscrire donc Téviré. Bah oui. On les applaudit. Tu valides. Téviré. Téviré, ils sont là. Ils sont venus avec du monde. France Bleu Maine, la finale du tremplin à la découverte des talents du Maine 2015. Allez, c'est parti pour la première, Nova.
soir. Hein, autant vous dire qu'on ne croyait pas du tout. Enfin, eux en tout cas. Et ben, c'est grâce à vous qu'on est là. Donc ben, on va continuer. Merci en tout cas. Plus noir. On a envie ce soir. D'Argresse. Let's
quoi le nom de notre groupe? Ah, je t'entends plus fort, sinon on s'arrête. C'est quoi? Ok, alors n'hésitez pas à reprendre le refrain avec nous. Vous pouvez même vous mettre debout si vous le souhaitez. Ne laissez pas toute seule. Allez-y, on se lève, on y va. Allez, c'est parti. Allez, allez, on se lève encore. On met l'ambiance, on montre qu'on est là. Assieds-toi. Alors on laisse Dali toute seule se débrouiller, c'est facile ça. Mais en même temps, ça a commencé comme ça, l'aventure avec le cinquième tremplin à la découverte des talents du Maine, organisé par le Crédit Mutuel, par France Bleu Maine, retransmis sur France Bleu Maine. Dali, la décision, c'est toi qui l'as prise. Inscrire le groupe pour ce tremplin. Ouais, mais... Tu n'as pas consulté le groupe avant ça? Si, parce que malgré tout, même si j'avoue que des fois ils m'embêtent beaucoup, ils me suivent et du coup, enfin, on se suit parce que ça reste un groupe et on prend une décision commune. Donc, même s'ils n'étaient pas trop chauds, ils m'ont dit tu vis dans le pays des bisounours, mais allez, ok, on y va. Voilà. Et pourquoi vous n'étiez pas trop chaud? Bah, on n'y croyait pas tout à fait. En fait, ça fait qu'un an qu'on est en formation, donc on n'y croyait pas, mais on est très content d'être là et ça fait plaisir. Merci à tous. C'est le but d'un tremplin, finalement, aussi, de se confronter, même si la confrontation, elle est tout à fait amicale ici. Exactement, oui, on n'est qu'avec des amis, donc tout se passe bien. Vous connaissiez les autres groupes finalistes? En partie, oui. Très bien, merci. Mais vous connaissiez... Merci pour cette réponse très longue. Dali connaissait surtout les anciens lauréats, Jus, Nekidinosphere, qui ont eux aussi remporté le tremplin. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'idée est née. Hein. Ouais, ça donnait un peu envie, quoi. On s'est dit, allez, pourquoi pas, nous aussi, même si on reste des amateurs, on aime la musique tout autant, en fait. Mais ça fait très peu de temps, ça fait un an que t'es viré vraiment construit, que t'es viré avance petit à petit, vos propres compos. Alors ça fait un an que vous êtes formé, mais on le voit bien là. Vous avez une amitié qui dure depuis bien plus longtemps que ça. C'est ça, carrément. C'est ce qui nous lie, en fait. Oh, je sais pas, peut-être 5-6 ans, je sais pas. Enfin, j'ai pas vraiment. Ça doit faire 6 ans qu'on se connaît tous. La même passion commune, l'envie du partage, tout ça, on fait que, les choses se sont peut-être accélérées un peu vite, effectivement. Mais on est super contents d'être là. Pourquoi l'envie d'écrire en français? Bah, ça nous correspond plus, puis du rock français, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y en a plus maintenant. Ah, il y en a qui aiment ça, c'est aussi, bien, le public. Ça permet aux gens aussi de comprendre. Et du coup, Julien. Merci, je parle anglais couramment, je vous signale. Et du coup, quand vous dites aux gens levez-vous, hein, c'est plus facile. Bah, c'est plus facile, lèvent, je sais pas le dire en anglais en plus, donc c'est comme ça, c'est fait. Non plus. Moi, je sais dire clap your hand.
Déjà quelques compositions, en tout cas, qu'on a pu découvrir ce soir. Quatre compos. Il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres derrière. Oui. Enfin, il y en a pas beaucoup non plus quand même. Donc on aurait. Il y en aura. C'est-à-dire, il y en aura. Ça veut dire qu'il va y avoir la sortie d'un EP, peut-être d'un album. Pourquoi pas ? Ah, ça c'est au public de nous faire. Voilà, ça serait bien que le public nous aide pour faire ça. Ça serait un projet assez sympa. Pour ça, il faut un enregistrement dans le studio La Rivière, par peut-être. Exemple. Par exemple. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. T'es viré. Place maintenant, comme on veut. Ah, Charlie et le trio. Ça va, Charlie ? Comment ça va ? Oh, Charlie qui était déjà sur la scène de France Bleu Maine lors de la dernière fête de la musique. Mmh. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient se décider à tenter l'aventure du tremplin des talents du Maine, parce que on les a reçus une fois dans l'émission des talents du Maine, puis une deuxième fois dans l'émission des talents de l'Ouest, sur les 7 radios du réseau France Bleu du Grand Ouest. Et on s'est dit quand même, il va falloir qu'ils participent. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. On aura l'occasion de découvrir leur univers aussi d'ici quelques minutes. C'est un univers pop-rock. Alors Charlie, si je dis... Même funk. Et funk aussi. Ah oui. Ouais. Influences diverses. On a du Bruno Mars. Ouais. On a du Mathieu Chédid. Et puis on a du... Comment il s'appelle déjà, Mayer ? Ouais, pas loin. Pas loin ? Mayer. John Mayer. Ouais, John Mayer. Charlie et le trio, le troisième groupe de ce cinquième tremplin des talents du Maine. Le Crédit Mutuel et le France Bleu Maine. Bonsoir à tous, est-ce que ça va ce soir ? J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Ah, on va vous faire chanter dès tout de suite en fait. Vous avez envie de chanter ? Ah, j'ai pas l'impression. Est-ce que vous avez envie de chanter ? C'est pas très compliqué, vous êtes prêts ? Oh ! Ouais. Oh !
encore. Just
prochain morceau, c'est le morceau sur lequel on a été sélectionné justement pour ce beau tremplin, qui s'appelle Wake Me Up. Des talents du Maine, enregistré au cinéma Pâté Quinconce au Mans. All you need, yeah.
know sure about us. I didn't understand. Pretty friends in the rush. We all you need. Remember now you're smiling. To clear all this cloud before we get it on. Vous a donné envie de tenter l'aventure de ce tremplin, Charlie, parce que le groupe existe alors depuis un an et demi maintenant, mais ça fait quelques années que vous vous connaissez avec les gars. Pourquoi vous vous êtes dit là, allez, enfin, j'y vais. Eh ben pourquoi pas. Non, en fait on l'a fait parce que bah, c'est un des rares tremplins sur la Sarthe, et donc on s'est dit pourquoi pas. On est un groupe local hein, comme plein d'autres, donc on se lance, on y va. Mais pourquoi pas avant, vous n'étiez pas prêt. Oui, on peut dire ça. Et puis il y a aussi voilà, faut se mettre au courant de tout ça aussi. Donc quand on le voit, tant mieux. Si on le voit pas, bah tant pis pour ceux qui n'ont pas pu participer. Ah bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut être au courant, même s'il y a quand même l'ensemble des caisses du Crédit Mutuel hein, qui propose de venir déposer ses clés USB. Ne me pourris pas tout le truc, s'il te plaît. Alors on va parler du Kiss Kiss Bank Bank, Charlie. Juste pour rappeler comment vous vous êtes connus tous les trois, parce que vous êtes des professionnels de la musique. Oui, en fait les gars, donc Ben. La batterie est prof justement de batterie. Julien est prof de guitare et de basse aussi. Et bah moi avant j'exerçais donc une autre activité que j'ai arrêtée justement pour me concentrer sur la musique, sur ce projet-là. Et donc voilà, donc on s'est tous les trois lancés dans ce projet et voilà, on essaye de le faire vivre à 200% quoi. Il y a un premier album qui est en préparation. Cet album, deuxième album. Combien de compos sur ce deuxième album? Ah, ça ce sera la surprise quand ça sortira. She non, Never Understand, c'est le single. Non, parce que celle-ci, elle est déjà sur le premier. Donc, le premier qui sera en vente, si vous voulez, après. C'est le moment, il faut que je regarde mes fiches. Exactement. Il n'y a pas écrit grand chose sur les fiches. Non, c'est sur le premier, celui-ci, et que vous pourrez retrouver hein, en sortant tout à l'heure. Et donc. Il était directeur marketing avant. Exactement. Charlie. Exactement, c'est pour ça la tenue en fait, je l'ai gardée. Et donc voilà, donc le deuxième qu'on va sortir, qui va sûrement avoir 6 titres, qu'on est en plein enregistrement, on est en plein dessus. Et bah voilà, si vous voulez le précommander, ça nous permet nous justement bah, de préparer ça sur Kiss Kiss Bank Bank. Donc voilà, c'est une plateforme qui permet justement aux gens bah, de précommander le CD et voir plus. Il y a des t-shirts, des DVD, des concerts privés chez vous si vous voulez. Enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez en plus du CD précommander. Donc kisskissbankbank.com. Et dans l'idéal, si vous remportez le tremplin, l'enregistrement se fera à la rivière. Une partie, oui, probablement. Parce qu'on on est déjà en studio justement pour enregistrer l'autre, donc on a déjà choisi un autre studio. Mais pourquoi pas.
Merci beaucoup Charlie, Merci beaucoup, Julien et Ben pour ce show, les Charlie et le trio, donc le troisième groupe de ce tremplin des talents du Maine. Nous en sommes déjà au quatrième groupe. C'est le dernier. C'est le et dernier. On aura Belmondo quand même. Ah bah, pendant la bien. Délibération. Belmondo, parrain de cette cinquième édition, de ce cinquième tremplin à la découverte des talents du Maine, organisé par le Crédit Mutuel et par France Bleu Maine. Le dernier groupe a 10 ans d'existence. Et pourtant, ils sont tout jeunes. Moi, la première fois qu'on a parlé de ce groupe-là, je me suis dit, oula, ça doit être de vieux routards. Non, pas du tout. Trois jeunes garçons, Alexis, Flavien, Antoine. 10 ans, ils se sont rencontrés à Coulaines, à l'école de musique à Coulaines, dans un atelier qui était encadré par Baptiste Da Silva, Baptiste Del Silva, qui les suit depuis 10 ans maintenant. Iborka est là ce soir, donc pour clôturer le tremplin, ce sont les derniers finalistes à se présenter ce soir. Iborka qui fait de la chanson française progressive, qu'est-ce que c'est ? On va le découvrir. Allez, applaudissements pour Iborka. Super-héros décidèrent de partir à la conquête de Paris.
La chanson précédente, c'est un morceau car il n'y avait pas de chant. Le morceau précédent s'appelle Vacances. La chanson suivante, elle, est à l'intention des filles et des garçons qui apprécient la stimulation manuelle des parties génitales. Pour les autres, c'est une invitation. Hé, ça vous dirait une petite masturbation ? Ce plaisir où l'amour et le désir se mélangent sans rougir, on ne peut pas en mourir de cette belle dépendance qui chaque soir me met en transe quand j'accélère la cadence, t'imaginant en pleine danse. J'espère ne choquer personne avec ma chanson monotone. Il ne faut pas en faire des tonnes, car je ne suis qu'un petit homme qui aime les choses simples de la vie, comme le silence de la nuit, marcher nu comme un hippie ou caresser son zizi. Je serai même plutôt pour une pratique nuit et jour. C'est un bien qui toujours stimule l'imagination. Ce n'est pas un signe de déraison, oh, une inoffensive passion. N'ayez donc pas honte. Je me prends des petits coups de jus dans le micro depuis tout à l'heure. Il y a de l'électricité dans l'air, hein. N'ayez donc pas honte de la, ça se rimension, de la masturbation. Oh, il l'a dit. Est-ce que ça vous le dirait? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on le fasse tous ensemble. Oh, faites pas cette tête là. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce qu'il y a des camarades à côté, hein. On a chacun, elle est très belle, elle est à nous, et puis c'est tout, c'est comme ça. Montrez-moi votre voix. C'est si bien maintenant. C'est si bon. C'est si bon. Et pour les plus audacieux, vous pouvez tenter de dire les petites phrases entre c'est si bien et c'est si bon.
France Bleu Maine. Vous vivez la finale du tremplin à la découverte des talents du Maine 2015. J'en avais 11 et aujourd'hui j'en ai 21 et oui, ça fait 10 ans qu'Iborka se produit sur scène. Iborka cette année fête ses 10 ans. Super Alex, là, t'es pas sur le coup, là. Iborka fête ses 10 ans. Et encore une bougie soufflée, et encore une année passée, et encore une bougie soufflée, et encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Mais en même temps, un peu de tristesse s'installe en moi, car nous arrivons bientôt à la fin de notre prestation scénique. On vient de vous jouer 2 morceaux, il en reste 2. Nous sommes en même temps exactement à la moitié de celle-ci. La fin et la moitié se mélangent ensemble. Ce que je ressens en ce moment ressemble à ce que j'éprouve quand il est minuit. Vous savez qu'on passe au lendemain, là. Aujourd'hui se mélange avec demain. C'est à ce moment précis que je pense aux Chinois, pour qui, eux, demain et déjà aujourd'hui depuis 10 heures. La prochaine chanson, le groove du Chinois. Mon prénom, c'est Antoine. Moi, c'est Alexis. C'est joli.
Nous avons ramené un CD ce soir, le quatrième élément. Venez vous le procurer. Comme ça, si vous étiez timide en collectif au début, vous pouvez vous refaire ce même plaisir seul, chez vous, dans votre casque, sur la chaîne Ifi. Venez nous voir à la fin du spectacle. Cette dernière chanson n'apaise pas ma tristesse, car je vais devoir quitter cet endroit pour laisser d'autres jouer. Mais bon, je suis bien là, moi. Je suis tellement triste que... Ah, est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est une goutte d'eau.
Borka. Le Alexis, Flavien, Antoine, on peut les réapplaudir à la fois pour ce moment musical et humoristique. Oui, champion de la blague. Je monte voir Baptiste, hein, Charlotte. Oh oui, je le récupère. Alexis, Flavien, Antoine, vous avez été absent pendant un an. Vous êtes enfin de retour avec un nouvel EP, le quatrième élément dont nous allons parler. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Il y a 10 ans, vous étiez à Coulaines, l'école de musique de Coulaines. Et là, il y a d'abord votre rencontre et la rencontre avec Baptiste Da Silva. Julien est parti chercher Baptiste. Oh, je suis avec Baptiste, il n'y a pas 3 kilomètres à faire. Ah oui, je ne vous vois pas, Julien. J'ai perdu Julien Sénéchal. On va d'abord donner la parole à Alexis. Comment s'est passée cette rencontre? Alors, donc c'était à l'école de musique en 2005. Et voilà, on souhaitait tous faire de la musique. On a vu qu'à Coulaines, il y avait une école de musique, il y avait une section musique actuelle, voilà, encadrée par Baptiste. Et bah, ça a plutôt bien accroché directement. Donc voilà, c'est resté. Et puis on s'est dit, bah, on continue, oui, on continue. On fait quoi? On fait un CD, ouais, on fait un CD. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui, le troisième, c'est cool. Est-ce que ça ressemblait déjà à ça, Iborka, il y a 10 ans? Baptiste, vous êtes le mentor, hein, de ce groupe Iborka depuis 10 ans. Ils étaient déjà ensemble, ils se connaissaient les trois là? Alors, que d'honneur, déjà je les remercie énormément, mais si je peux noter quelque chose qui a changé, vraiment quelque chose de notable, c'est que Alexis maintenant, de par sa taille, a grandi et je note qu'il touche les pédales maintenant avec ses pieds, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, je vous assure. C'est vrai, même si on a dû installer une batterie pour enfants, hein, mais Alexis, ça s'est bien passé quand même. Baptiste, c'est vous qui avez commis cette chanson sur la masturbation? Alors, tous les textes, je ne suis absolument pas... Qui est responsable de ce texte? Et n'imaginez pas que quand ils avaient 10 ans... C'est ma maman qui crie pour moi. Mais moi, je peux noter, je connais très bien leurs parents, évidemment, et quand je vois la maman d'Antoine, Chantal, qui me dit, tu sais, Antoine, quand je le vois sur scène, ça reste toujours mon petit garçon. Imaginez. Imaginez, effectivement. Ils pourront mener de front aussi, Baptiste, une carrière dans la musique et, comme l'a dit Charlotte, une carrière aussi dans l'humour. Eh bien, oui, je crois qu'ils ont vraiment un énorme talent. Et puis, je tiens quand même à souligner que ce sont non seulement très talentueux musiciens, pardon, mais aussi humainement des gens vraiment formidables. Je les remercie, ils sont présents dans les grands moments de ma vie aussi privés parce que c'est vraiment des amis. Je leur souhaite une grande carrière et puis je voudrais finir en disant qu'ils défendent aussi la francophonie ce soir et je pense que Belmondo aura aussi noté ça parce que je sais que c'est un amoureux des mots et des lettres et rien que pour ça déjà je les applaudis bien fort. Merci beaucoup Baptiste qui les suit depuis 10 ans, l'école de musique de Coulaines. Et Baptiste, qui vous a accompagné d'ailleurs sur ce troisième EP, le quatrième élément. Alors c'est le troisième EP, mais c'est le quatrième élément. En effet, plein d'énigmes. C'est parce que, enfin, je veux pas... C'est vrai, il y a une petite énigme, on s'est tracassé la tête avec les gars. Et donc, il y a 4 titres sur l'EP du coup. Et après, vous trouvez l'énigme. Chacun a sa réponse, je pense. Même dans le groupe, on a 3 réponses différentes. On a vu d'autres personnes, des trucs encore plus dégueulasses que ce que nous on a. Trouvez ce que vous voulez et on s'approprie le CD comme on veut, quoi. Cette EP, vous l'avez en physique actuellement. Est-ce qu'elle est là, la maman d'Antoine? Si vous remportez ce tremplin, qu'est-ce que vous allez enregistrer dans les studios La Rivière? Eh bien, on a déjà je sais pas trop si on peut le dire, mais on a déjà plein de compos d'avance. On voudrait bien en faire un album, c'est même sûr. Donc, on est en train d'amorcer ça tranquillement. On a pas mal de compositions qui sont en cours. Il y en a quelques-unes qui sont terminées. Et c'est des chansons qui sont peut-être assez rigolotes aussi, il faut le dire. Et d'ailleurs... Revenons à des choses essentielles, Charlotte, tu es avec Chantal. Je ne sais pas où vous êtes, Julien. Je suis là, je suis avec Chantal et Martine. Alors Martine, c'est carrément la nounou. Alors le fil rouge de Julien, c'est d'aller voir toutes les mamans. Oui, c'est ça, avec sa nounou. Ça va, Chantal? Oui, ça va. Ça reste toujours votre petit bébé? Il a bien grandi. Hein. Les paroles, j'y suis pour rien du tout. Hein. Attention. Les paroles, j'en suis pour rien du tout. Je ne veux pas savoir ce qu'ils écrivent. Vous avez vu, vous, le groupe évoluer, j'imagine, en 10 ans, Chantal? Bien sûr, oui, oui. On a du mal à réaliser quand même. Hein, ça. On était avec Séverine, la maman de Lola, au tout début de cette soirée, où je demandais si c'était pour les parents aussi la volonté de pousser, ou en tout cas de laisser ses enfants continuer dans la musique. Vous l'avez toujours poussé, vous, laissé faire? Pas poussé, laissé faire, oui. C'était parce que vous avez vraiment eu le choix. On l'a laissé faire. Ouais, elle l'a pas poussé pour les paroles, a priori, on a bien compris. On n'aurait peut-être pas dû, donc c'est ça que vous voulez me faire dire. Martine, est-ce qu'il était déjà drôle, Antoine? Oui.
Oui, oui, il était drôle, oui. C'est vrai qu'on a vraiment passé des bons moments. Puis Alexis, ben, n'en parlons pas, c'était pareil. Hein. Oui, non, parce qu'on parle d'Antoine, mais oui. Tout le monde est drôle chez Iborka. Mais bien sûr, il faut dire que... merci beaucoup, hein, Martine et Chantal. Il est sorti de... Martine est encore la nounou d'Antoine, il y a encore quoi, 6 mois, Antoine, hein, c'est ça, hein. Un truc comme ça. On se projetait, Julien, du coup, sur, voilà, au cas où Iborka soit le vainqueur de cette soirée, ah sur un enregistrement dans les studios La Rivière. On va peut-être s'intéresser justement au studio La Rivière. Julien. Oui, il est là, non, Philippe. Mais, Julien ne m'écoute Philippe. Absolument non, pas ce soir. Il est en train de me parler. Philippe, viens donc. Le studio La Rivière, alors ça a été une super rencontre avec Philippe. On a même enregistré une émission des Talents du Maine là-bas. C'était avec le groupe Air Dryer. On a tout fait là-bas. Bonsoir. Dans le Nord-Sarthe, Philippe. On est même dans l'Orne. Ouais, même dans l'Orne. Vous pouvez aller vous rasseoir, Philippe, ça va bien se passer quand même. Bon, Philippe. Ma mère, ça reste la sous-préfecture de la Sarthe quand même. C'est ça. Philippe, vous nous accompagnez finalement aussi depuis 5 ans sur ces groupes. Vous les avez vus évoluer et on a pu constater toute la diversité aussi et la richesse de cette scène sartoise. Bah, exactement, on les a vus grandir, changer, on les a vus se mélanger. Il y en a qui ont monté d'autres groupes, d'autres projets. Il y a plein de choses intéressantes, quoi, et plein de choses différentes en plus. Vous nous présentez rapidement le studio La Rivière, parce que moi je parle toujours de l'aspect bucolique, mais c'est surtout un studio professionnel aussi. Ben, c'est un studio professionnel, évidemment, situé en pleine campagne pour favoriser la résidence d'artistes, c'est-à-dire qu'ils viennent se mettre au vert et ils viennent travailler pendant le temps nécessaire pour la réalisation ou d'un EP ou d'un album, ou venir juste en résidence pour travailler une série de concerts, ce genre de choses. Tout est possible. Avec cette atmosphère particulière du studio de La Rivière, aujourd'hui, on peut vraiment enregistrer un album complet de A à Z dans les studios. Ah, on peut même faire des vidéos complètes, on peut enregistrer, faire son clip, on peut tout faire. Ouais. C'était important pour vous d'être partenaire de ce tremplin et aussi d'accompagner cette scène locale. Je sais que vous êtes un peu musicien aussi, Philippe. Ben, nous, quand on est arrivé dans la région, on a cherché un peu les partenaires qu'on pouvait solliciter. On a rencontré Thierry, qui a été un des premiers à nous dire oui. Et on s'est suivi sur plusieurs jeux qui ont été mis en ligne à la radio et puis sur le tremplin des Talents du Maine, systématiquement, où on a reçu tous ceux que vous avez cités tout à l'heure. Belmondo, on parle de toi depuis le début comme un showman. Ça ne te ferait pas, ça va ? Vous m'avez mis un peu la pression. Ouais. Du coup, mais en tout cas, je suis bien réveillé. J'ai eu la chance d'assister comme tout le monde à 4 prestations qui avaient la patate. Et du coup, je suis chaud bouillant. Tu reviens de Suisse. Hein, tu étais en Suisse ce week-end, tourner un clip. Comment tu sais ça? Bah, Facebook. C'est tout. Oui, tout à c'est fait. C'est l'état d'urgence, hein, je vous le rappelle. Tout à fait. J'étais en Suisse pour tourner le titre d'un artiste sur lequel je chante. En fait, c'est un DJ et je chante sur son prochain morceau qui va sortir dans un mois et demi à peu près. Donc voilà. Les voyages, c'est assez régulier, hein, Belmondo, parce qu'il y a eu l'Australie aussi, il y a eu les pays asiatiques, me semble-t-il. Fait. Oui, du coup, j'ai eu l'occasion, j'ai eu beaucoup de chance cette année. J'ai eu la chance d'aller chanter et danser au Japon, l'Australie, pareil, le Liban, le Maroc. Enfin, j'ai eu une belle année remplie de voyages et je souhaite d'ailleurs ce genre de choses à tous les participants d'aujourd'hui. C'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir vivre de ma passion aujourd'hui et voilà, je pense que c'est la seule chose qu'on peut tous leur souhaiter d'ailleurs. Voilà, donc si vous pouvez encore les applaudir, ils ont fait des belles prestations et voilà. Merci beaucoup, allez. On va l'écouter maintenant, Belmondo, oui, et surtout le voir aussi. Nous avons quand même la chance d'avoir Belmondo comme parrain de ce 5e tremplin, la découverte des talents du Maine, organisé par le Crédit Mutuel et France Bleu Maine. On peut applaudir très fort Belmondo. Donc on va pouvoir y aller. Let's go. Quand vous voulez. Oh, ira de la luna, j'ai le sang pour te percer. Viens plus près de moi, n'aie pas peur, pas de danger. No te preocupes, si quieres bailar, olvidar a rente, laisse-moi te guider. No te preocupes, ce soir c'est carnaval. Carnaval, carnaval. Elle veut du tempo, calor, la playa, el sol, elle veut du rythme. Danser toute la nuit sans limite, elle veut du tempo. On s'endort pas ici, hein. Maintenant ça va chauffer. Go, go, go. Ring the alarm, c'est maintenant si t'es ready. La señorita.
otra cosa. Dans différents pays, mais je suis toujours content de chanter au Mans, de chanter à la maison. J'ai grandi ici, donc c'est toujours un plaisir d'être là. On y va pour la prochaine. Let's go. Je veux encore applaudir les deux danseurs de ce
ce soir, Manu et Dim. Yes. Wow. Besoin de vous. C'est facile, va falloir juste chanter avec moi. Vous êtes prêts, ça fait. Oh, 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 oh. Je vous entends pas. Oh, 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 oh. Encore une fois et. Oh, 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 oh. À vous. C'était tout pour ce soir, du coup. Ils sont partis où? On est là. Merci encore à vous. C'était Belmondo. Belmondo, parrain de ce 5e tremplin La Découverte des Talents du Maine. Merci beaucoup, bravo. Plein de styles différents, 4 morceaux. Je suis ton père, Charlotte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que Star Wars 7 s'est invité dans le tremplin ça, La Découverte demain, des Talents du Maine. On était dans un cinéma, c'était le petit clin d'œil. J'ai lamentablement piqué la tenue de mon fils. Ça me permet de vous rappeler que à France Bleu Maine, très petit. C'est quoi ce pantalon d'ailleurs? C'est le Dark Vador un peu chicos. C'est n'importe quoi, mais c'est quelle taille ce déguisement? C'est taille S. XS même. C'est taille 6 ans. C'est taille 6 ans. Ça me permet de vous rappeler que d'ailleurs à France Bleu Maine, on ne fait pas que de la radio, on s'amuse aussi. C'est-à-dire que on s'est tous déguisés en personnages de Star Wars. Vous pouvez observer les photos de l'équipe en personnages de Star Wars sur la page Facebook de France Bleu Maine et je peux vous garantir que ça vole des tours et on est bien mieux déguisés que Julien Séléchal. Le ridicule ne tue pas. Ah ouais, non mais c'est moi je trouve ça formidable. Je peux prendre ce sabre? Oui, vous pouvez si vous voulez. Il ne fonctionne pas très bien. Donc avec la voix de Dark Vador, il est quand même grand temps d'annoncer Julien. Ah oui, il est parti Belmondo. Mais oui, il est parti Belmondo. Ah oui, il reviendra après. Il reviendra c'est après. C'est la cérémonie. Bon, Belmondo, juste. Il est temps d'annoncer que cette finale est terminée. Est terminée et surtout que les votes sont clos et que tout a été dépouillé, que le résultat est tombé. Alors nous, on ne détient pas le résultat. C'est qui? C'est Thierry Stenner et Michel Hayet. Thierry Stenner, directeur de France Bleu Maine, et Michel Hayet,
directeur départemental du Crédit Mutuel. Juste avant, Belmondo, je voulais te remercier encore une fois d'être venu pour cette cinquième édition du Tremplin des Talents d'Humaine. On a vu, et tu l'as dit à la fin, que le projet Belmondo évolue. Il y a toujours le côté énergie, danse sur scène. Mais c'était quoi la volonté d'avoir des musiciens maintenant ? On va dire c'est une occasion qui s'est présentée à moi. Et puis je pense que, comme toute personne qui aime et qui respecte la musique, j'avais envie d'avoir sur moi des vrais instruments avec des vrais musiciens et d'avoir des gens qui m'accompagnent et qui... Voilà. J'imagine que ça n'a pas dû être simple de faire en sorte que ce projet évolue sans qu'on perde peut-être toute l'énergie de ce que vous faisiez avant. C'est là tout l'enjeu du projet, c'est qu'il faut qu'en fait toutes les personnes qui me connaissent et qui me suivent pour ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, elles se retrouvent et elles me retrouvent dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle aventure. Donc on est en train de mettre tout ça en place, de monter le set et des nouvelles chorégraphies vont être montées, des nouvelles choses, donc voilà. Avec notamment, on le signale, Olivier Carole à la basse. C'est ça, tout à fait un grand. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai notamment lui, j'en ai d'autres. Ouais, j'ai de la chance. Olivier Carole, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est un Sartois et c'est le bassiste de Ben l'Oncle Soul, quand même. Voilà, qui lui est tourangeau, ce qui n'a rien à voir, mais on est quand même très content d'avoir un Sartois qui joue avec Ben l'Oncle Soul. Bon, allez, j'ai toujours fait ça. Y a pas Lola Dumège a ouvert la soirée, suivie de Téviré, suivie de Charlie El Trio, suivie de Iborka. Quatre styles complètement différents, quatre parcours très différents. Avant d'annoncer qui est le gagnant, qui est le lauréat de cette cinquième édition du Tremplin, la découverte des talents d'Humaine, organisée par le Crédit Mutuel et France Bleu Maine. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot de Thierry Stenner sur l'ensemble de cette soirée ? Comme chaque année, ce sont de magnifiques découvertes. Comme chaque année, on en prend plein les oreilles. Comme chaque année, c'est un déchirement de cocher l'un des noms sur le bulletin de vote, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Et en tout cas, pour nous, il y a vraiment quatre groupes vainqueurs ce soir parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils nous ont fait passer une formidable soirée. Et de toute façon, les quatre, on a envie de les réentendre, on a envie de les revoir. On les invitera à la radio, on les invitera dans les concerts Talents d'Humaine. Et vraiment, on a passé, je pense, vous serez tous d'accord avec moi, une super soirée. Avant de dévoiler le vainqueur, je voudrais aussi remercier vraiment chaleureusement Belmondo d'avoir été le parrain cette année parce que c'est un bel engagement de sa part pour les autres artistes sartois qu'il aime, qu'il écoute, qu'il découvre avec nous, qu'il encourage. Et puis aussi parce que à chaque fois qu'on a appelé Belmondo pour des opportunités de faire le show pour des causes notamment où il venait bénévolement, faut le dire, et il a toujours été là, il est toujours partant pour donner le meilleur de sa musique et de son spectacle, et c'est un super type et un super pote. Merci à lui. Bravo. Bon. Vous pouvez admirer dans les mains de Michel Ayer le magnifique trophée du Tremplin à la découverte des talents d'Humaine 2015 que Michel va remettre dans un instant aux lauréats. Ce sont vos votes qui ont départagé les quatre candidats ce soir. Et le vainqueur est Charlie El Trio. Vous pouvez faire une standing ovation pour eux. Bravo. C'est lamentable. C'est lamentable. Merci Michel. Merci. Sans vous, on n'en serait pas là. Bien, bah écoutez, je vais avoir l'immense honneur de vous remettre le premier prix, le prix de lauréat des talents d'Humaine de 2015. Alors, je voulais bien sûr vous féliciter, mais féliciter tous les groupes, parce que franchement, je suis comme vous, j'ai passé une superbe soirée. Et Belmondo également en clôture, merci pour tout. En tout cas, le Crédit Mutuel est content et heureux d'avoir contribué à cette belle réussite. Et puis, félicitations. On est une banque de proximité, donc on croit en tous ces événements. On est proche de vous et ça nous fait plaisir d'être là et puis de vous remettre ce prix. Bravo encore, merci. Bravo. Bonsoir.
Non, merci à vous, merci à tous ceux qui sont venus partager ce moment-là avec nous, et puis tous ceux qui ont voté pour nous. Voilà, on est très surpris. Donc, vous pouvez nous applaudir parce que bon, on a gagné. Mais applaudissez surtout toute l'équipe qui est là-bas, Iborka, Tevirey et puis Lola, parce qu'ils ont fait le show aussi avec nous et c'était vraiment un super moment avec eux. Donc, comme l'a très bien dit Thierry, on a tous gagné. Donc, merci à vous tous, merci. Charlie, en plus de ce magnifique trophée, j'ai le plaisir de te remettre les chèques cadeaux Music Center Legend, 400 balles à dépenser chez Music Center Legend. Le directeur le plus rock'n'roll du réseau, hein, 400 balles de bon d'achat. Et Philippe Barré du studio La Rivière va venir te remettre l'invitation officielle à venir voir ses poules. Voilà. Donc, vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de limitation de date, demain, si tu veux. Non, cette semaine, c'est un peu compliqué. Mais que ce soit pour faire du mastering, que ce soit pour faire de la résidence, voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Merci Philippe. Bravo à Charlie et le trio, bien évidemment. Merci Thierry, merci Didier. Merci également à tous les autres groupes qu'on peut encore applaudir. Iborka, Lola, Dumej et Tevirey. On a quand même passé une très très belle soirée. Surtout un grand merci à vous d'être venus aussi nombreux pour soutenir cette scène locale. Ça s'arrête pas évidemment qu'au tremplin des talents du Maine. La musique, ça se partage en live et pas seulement que dans ce tremplin quand il se produit sur scène. Allez-y. Encore un grand merci à toute l'équipe technique de France Bleu Maine ainsi que à l'équipe de NT Events. Et on vous rappelle que cette soirée, vous pourrez la retrouver en vidéo grâce à l'équipe de Zénith Productions. On vous informera et à l'antenne et sur la page Facebook de France Bleu Maine pour que vous puissiez visionner ça. Et vous retrouverez dès demain Charlotte dans les talents du Maine, qui sera forcément consacré au lauréat de cette année, Charlie El Trio. Merci à vous tous et à vous toutes. France Bleu, France Bleu.